Dans la forêt lointaine, on entend Valentine. Coucou Valentine, coucou Valentine, coucou Valentine, coucou. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis dans un champ de patates. Vous savez que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'on pouvait planter la ligname dans, ligname dans les sacs pour pouvoir récolter sans avoir mal au dos, surtout pour nous les femmes. Donc voilà la patate douce. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les feuilles de la patate douce se mangent. Les feuilles de la patate douce ont plus d'importance que les feuilles d'épinards qui sont là-bas. D'accord? Donc, dans les feuilles de la patate douce, on retrouve bêta-carotène, on retrouve phosphore, du zinc, de la vitamine, du fer, et, du calcium, du phosphore et tout ce qu'on veut. Donc, moi, je ne m'embête pas. Je plante quand vous savez que je suis pour tout ce qui est à recycler. Donc, quand j'ai quelque chose comme des barils ou bien des glacières, eh bien, moi, je plante dedans. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les patates douces. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra pas la famille tortue courir après. Verra le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au bas. La patate douce se mange en salade crue et cuite, d'accord? Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après. Verra le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au bord. Thank you.
Donc, on peut faire de la quiche avec les feuilles jeunes de la patate douce. On peut faire du thé avec les feuilles jeunes de la patate douce. Vous mettez deux feuilles et vous mettez une aromate de votre choix. Il existe plusieurs variétés de patates douces, le blanc, l'orange, le rouge, et deux sortes, trois sortes de violet, violet pâle, violet foncé. Et toutes les feuilles sont valables. Plus la patate douce est foncée, meilleur c'est bon pour la santé. D'accord? Comme d'habitude, que je me rince mes mains au thé. Voilà, voilà. Séquence feuille de patate douce. Elle est pas belle, la vie?